Tiens le micro. Ah, on est parti. Alors, où est-ce qu'on en était? Je crois qu'il y avait un four à prendre. Si on avait tout illuminé. J'ai toujours ma tenue, oui. La balette. Le poids est bon. Oui. Tu es de retour. On fait un jeu? Pas plus maintenant. Ah, j'ai plus de compagnons. Honneur à vous, Montagne. Ah. C'est vrai que le dernier, c'était le... Je l'avais tué. Je vais voir. Peut-être à Blancherie, je vais peut-être pouvoir en récupérer une. Attendez, je vous connais. Que les divins soient avec vous. Je crois qu'il y en a une par ici. Qu'est-ce que vous voulez? Pas assez au fond, si. Il y a
eu une terrible bataille ici, à Blanche Rive. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Ne perdons pas de temps. Bon gros bourrin. On suit. Ouais. Garde. Alors, la map, déjà les missions. Ici. Ah oui, il est emprisonné lui, c'est vrai. Retourne voir. Ah, du Darkey. C'était vous. Il fallait voler un truc, je crois. Ouais. Tu es la cible. On est parti pour Vendôme. Il fallait prendre à droite. Descendant. Ouais, je coquais. Ensuite, continue ici. Haïssez-vous les elfes noirs? Êtes-vous ici pour nous tourmenter? Alors vous n'êtes pas dans la bonne ville. Vendôme est la capitale des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Elle est indigne de quelqu'un comme vous. C'est toujours comme ça. La plupart des Nordiques qui vivent à Vendôme nous méprisent, mais Rolf est le pire de tous. Son passe-temps favori est de se saouler et d'arpenter le quartier gris en nous hurlant des insultes au petit jour. Un homme charmant, vraiment. Certains de ces Nordiques seraient prêts à dire n'importe quoi pour nous causer du tort. Et ils ne détestent pas que les elfes noirs. Ils s'en prennent aussi aux Argoniens. En fait, tout ce qui n'est pas nordique est la cible de leurs attaques. Bon okay. Voyage. Ah, c'est lui qu'il fallait que je ramène la quête. Désolé, mais je n'ai pas besoin de davantage de membres. Bon travail. Voilà votre argent. Ne dépensez pas tout en hydromel. À la voyure. 1500 ? C'est toujours bon à prendre. Hein. Ensuite, on avait quoi? Il est où lui? La fille d'Angelina. Ok. Pire. Mettre la carte locale. C'est plus facile. Hein. Alors, est-ce que ça va être en haut? Oh, impossible. Traverser par là. Je suis bloqué. Alors, est-ce qu'on se rapproche? Pas du tout. Est-ce qu'on peut rentrer par là? Oui, ça marche. Pas si mal d'être vieux. Ma fille me nourrit
et j'ai plus à travailler. Ça l'autre bouffe. Ouais, ici. C'est ici. Hein. Est-ce que c'est là où je... C'est pas là où j'avais bataillé. Ah oui, bah oui. Impossible de trouver l'endroit où il est. Écoutez, cette Vichy avait un garde du corps. Je sais que c'est affreux qu'elle ait été assassinée à son propre mariage. Mais ce n'est pas la faute des gardes de la ville. Ouais, alors ici il y a eu quelque chose. Parce que le mec il est emmuré de vivant, c'est pas possible. Hein. Ça j'ai déjà fait. Impossible à trouver. C'est les gardes. Hein. Il y a un contrebas. Je peux pas le rattraper lui là. Talos guide vos pas. Fermé, fermé. Dans les... Essayer de descendre du côté droit, mais je crois que j'avais déjà tout fait. C'est tout fait déjà ça. On va descendre. C'est un cadavre. Et un garde. Vous ne voudriez pas enchanter mon épée? Elle est si émoussée qu'elle coupe à peine le beurre. Descend encore. Solitude retrouve sa gloire d'antan. Ça n'a rien à voir avec les berlines de mon enfance. Quoi, carte mise à jour? Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Carte mise à jour. Bon, on va se recommander ce truc là-bas. J'ai mes points trouvés. Pour être un mur vivant, je vois pas où il a dit ça. Là, mais bon, bref, on va aller pire en pire. On va aller faire ce fort là. Déjà, il y a une épave ici à faire. Alors, c'était où le fameux fort que je voulais faire? Est-ce qu'il est? Il est plus ici. Voilà, arc brumeux. Alors, le plus court pour y aller, je dirais que c'est ici. C'est pire en pire.
C'est tout droit. C'est un dragon. Il tape sur quoi là? Oh putain. Déjà? Non. Ah, les gardes m'aident. C'est cool. Tu as pris cher, hein? Tu commences mal ton taf, si t'es déjà plié là. Laissez-moi tranquille. C'est toujours ça de pris. Ils ont tué la... J'espère que c'est pas la mère de la gamine. Aïe aïe aïe. C'est un homme pénible, hein. On arrive dans... On y arrive. C'est JP qui est sorti. On va vite se faire ratatiner, je pense. Qu'est-ce qu'on a ici? Arc brumeur. C'est des potes ou pas? À moins que vous ne veniez payer une rançon, faites demi-tour et partez. Ah, ça bandit. Archer là. Il est passé où mon cadavre? Il est là. Ok. Toi là, tu es ici. Il me fait mal lui. Terrible, hein. J'suis déçu. Il manque un cadavre. Voilà. Il manque l'archer là. Il est où l'archer?
disparu. Là aussi. C'est quoi ce bordel? On va actionner le... si on peut. J'ai pas qu'on me crie. Déferlement, pourquoi il est pas activé? Parce que j'ai dû me mettre en vampire. Hein. Instant. Hey, qui va là? Vous, par ici, vite, avant que l'un d'eux arrive. Stendhal soit loué. Vous si n'êtes oui. Pas de l'heure. Je vous en supplie, aidez-moi. C'est ma femme, Fiona. Je crois qu'elle est retenue prisonnière dans cette tour. Pardon, c'est juste que... Vous avez raison. Je vais tout vous dire. Fiona, ma femme, a quitté la ferme pour faire une course, et elle n'est jamais revenue. Je la cherche depuis des mois. J'ai appris que ces bandits rançonnaient leurs prisonniers. Alors j'ai pensé qu'elle serait peut-être là. J'ai réussi à me faufiler entre les gardes. Mais je ne pourrais sûrement pas aller plus loin. Je ne sais pas me battre. Vous voulez bien la chercher? Merci. Je n'ai pas grand-chose, mais je pourrais quand même vous payer. Tenez, j'ai vu un des gardes laisser tomber cette clé. Elle pourrait vous être utile. Faites vite, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a d'un moyen? Je n'aurai rien à vous dire tant que vous n'essaierez pas de découvrir si Fiona est là. Il est bon sous lui. Ok. Ça se passe. Alors, si tu me bloques, toi, pas de copain. Hein. Où est-ce qu'elle va être retenue sa bonne femme? C'est quoi ça? Comment ils ont trop... Elle, c'est fait. De l'or. Okay. Qu'est-ce qu'elle a accroché de l'or? Alors les potions, s'assurer qu'il n'y a personne. Une cellule. Mettre. Putain, ça coche quoi? Qu'est-ce que ça m'en fait? Ok, ici il n'y a pas grand chose. Ah. Pourquoi elle est fermée cette cellule là? M'intrigue ça. Maître. Ouais, ça risque de piquer un peu là.
Non, non plus. Ouh, à la droite, c'est bien. Vache. Ça a l'air costaud. Bon, déjà j'ai trouvé le coin. Bon. Je vais pas aller plus, ça c'est... C'était un peu plus... Ok. Pété. Ah, pété. J'en ai beaucoup. Ah, je crois qu'elle est passée. Ah bah oui, au moins. Abusé. Y'a rien en fait. Oh. Comment te bouffer des crochets? Et si on arrive où là? Hein? Personne? Ah, certainement ici. Un dragon qui tourne depuis tout à l'heure. Ouest. Est-ce qu'on s'en rapproche? Ouais, il y en a ici. Est-ce qu'on s'en rapproche? Le chi. Parce que je l'ai mis dans les quêtes aussi. C'est mieux. Est-ce qu'elle est... Hop là, ici, là. Oh putain. Bien joué. On va continuer longtemps. Oh putain, il y a trop de monde. Oh putain, il y a tout le monde. On va piquer là. Moi, tu sens son vampire. Ça va sortir. Elle est pas ressortie, la collègue. Je pourrais utiliser la magie aussi. Hein. On va laisser par ici. Est-ce qu'ils m'ont détecté de suite? Je sais pas. Ah bah oui. Oh, oui, 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 ils sont vénères. Salut Juto, bah y a pas de souci. En espérant que tu récupères la ligne très vite. Bon, là je pourrais pas y aller avec l'arbalète. Ça c'est clair. On va changer d'arme. Avec quoi on peut y aller? Oh les gars. Ça c'est bon ça. Attends un peu. On va équiper. Bouclier. La rose. Ouais, bon courage pour demain. A très vite.
Je vais voir si je peux rentrer et actionner le truc en même temps. Si mon main. Changer d'arme. Putain, je mourrais. Voici mon fond repop. Ok. On va s'y prendre différemment. Bon, je la rose sanguine. On va convoquer de suite ce Dremora. Une arme. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Il y a l'arme. Putain, vache. Attention. Je n'ai pas passé, hein. Oui, il est mort assis, lui. Pas les yeux. Encore au dos et main. C'était comme bandit. Vache. On va repartir à ma... d'arbalète. Purée. Oh. Il y a un crochet quand même pour s'échapper. Ils sont quand même coriaces dans le coin, hein. Ça monte de niveau, hein. Puis alors j'ai un acolyte qui est pas très très puissant. Elle n'est pas très puissante. Chez le FIC. Ah oui, je prends. Je fais le tour en fait. Tout ça pour faire le tour. Ah, elle serait ici en fait. Préparez-vous, les ennuis arrivent. C'est clair parce que c'était quand même costaud, hein. De l'or. Putain. C'est l'air de Fiola. Salut Dido. Une pièce.
est où Fiona? On va pas là. On va pas là. Il dit pas que c'était le chef des bandits. Ah, on est lourd. Mais bien, écoute. Et du coup, qu'est-ce que ça me dit sur la quête? Je l'ai pas retrouvé. C'était peut-être le chef des bandits. Oups. Moi j'ai trouvé une nouvelle acolyte, hein. Mais elle est pas tip top. Hein. Elle est un peu faiblarde. Hein. Puisque je sais pas si tu te souviens, dimanche dernier, on a, en se transformant en vampire, on a tué celle qui voulait nous accompagner. Ici j'ai du mal. Hein. Oui, il m'en rassit lui. À genoux. J'avais pas vu le coffre peut-être. Hein. Ou c'est un nom bien... Inkfert, tout comme ça. Non plus. Oh, comment ça s'appelle hein? Utgert. Ouais, et puis elle est pas... Ah, c'est pas le premier choix, hein. Ouais. Ah, c'est pas... Non, elle a pas son petit synthétiseur, là. Ah, il était où, lui? Il se cachait où, lui? En bas. Ici, massacre. C'était quoi, l'argonien? Ouch, le piège. Ah oui, il est là. Ici. Alors, pourquoi est-ce que Fiola n'est pas avec vous? Oh. Eh oui. Quoi? Ma Fiola n'aurait jamais... Espèce de monstre! Je vais vous tuer! Ah, c'était la chef des bandits, hein, le mec. Il me semblait bien que c'était la chef des bandits. Je crois que j'ai tiré un peu trop tôt. Voilà une affaire grandement menée. Hein. De retrouver sa femme. Je crois qu'elle était captive des bandits. En fait, c'était la chef des bandits. J'ai tiré trop tôt. Du coup, c'est une flèche de quoi ça? Bonite, on dirait. Ou elfique. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte qu'on puisse fignoler là? Là, il n'est pas vain. À piller. Sanctuaire d'aube étoile. Plus court. On va en prendre ici. Mais c'est à la confrérie noire. Alors, voyons si je suis dans le bon sens là.
Pas du tout. C'est là-bas. Ils sont cool. On va nager. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette épave? On est hors cœur, je vais laisser tranquille les pauvres. S'ils s'emballent vite, eux. Ça chante plus. Ah, je la vois. C'est pas une petite épave, hein. J'espère qu'elle suit les gueux. Ça, j'ai dû. Ça a dû se débloquer sur la carte. Hein. Des points d'intérêt comme ça, quand tu as des conversations, que tu entends parler des gens. On est des orqueurs. C'est pas un souci. Par contre, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Parce qu'en fait, les mobs dans Skyrim ne sont pas levelés. Par exemple, si tu vas dans une grotte à bas level, tu auras des ennemis à bas level. Plus tu montes, plus tes ennemis deviennent balèzes. Et les loot aussi. Ah, j'ai trouvé les... J'ai trouvé l'épave. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche ici? On va avoir un crabe. Hein. Tiens. Un crabe. Qu'est-ce que c'est? Des caisses. Coffre. Entrée. Après ici. Il a été écrasé par le coffre. Alors je sais pas s'il est mort par rapport au coffre. Ou s'il était mort avant. Quoi? Ah, cette courge. Ah, cette courge. Oh putain. Ah, j'ai pas gagné au change. Elle est où? Oh, ennemi. Qu'est-ce que m'a tiré comme bestiole? Ah ouais, mais le truc c'est que Lydia, on peut la récupérer comme on veut. Là je l'ai mis un peu en RTT, mais... Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans? Crabe. C'est infesté de crabes en fait. Je suis pas sûr qu'il y ait que des crabes. Hein. Oh, en plus tu joues... sympa la déco. Ah, je le vois. Encore un. Non. Qu'est-ce qu'il y a ici?
panier. Bah oui, puisque je suis en... Putain, le crabe. Chercher Komoda. Oh putain, je descends encore plus bas. Oh putain. Ah ouais. Père de la Niben. Coûte combien celui-là? 65. C'est beaucoup, ça fait cher pour un livre. Très très cher. On revient où là? Non plus. Il est mort ou il dort lui? Je vais réussir à me perdre dans une épave hein. T'es que dalle hein. Oh, il est où le trésor hein? Trésor? Sérieux? Minerai d'argent, minerai. Bon. Ah, il y a un coffre ici. Le chat est toujours... Chippy est toujours dedans? Je sais pas, je sais pas. Oui, bon courage au mento. À demain. Alors, je sais plus. Ah oui, je voulais voir le fond de cas là. J'ai vu qu'il y avait un fond de cas là. Ah. Hein? Ah, j'ai vu un truc là. Ah, j'ai pas vu lui. Non plus. Alors des fois il y a des coffres maîtres qui sont beaucoup plus simples des adeptes que tu... Ah voyons. Les saligots. Il faut que je respire aussi. Oups.
Tu connais pas, hein. De l'or. Et c'est quoi ça? Le saumon. Putain. On monte. Ma foi, c'était pas. Divers. Tout le saumon, je le bouffe de suite. Hein. J'aime le saumon. Voilà. Il y a des pierres ici là. Est-ce que c'est marqué sur la carte ça? Non. Avec Google. Oh, Google est aux fraises. Elle faisait, la dure à l'auberge de la chute pas voisin, Blanche River en fait. Casse pas trop pas ta canard. Aïe. Ah non, pas un pichet de Mookie recommande vers chez moi. Me laisse passer toi ou... Ouais, c'est une espèce de... Quelque chose ici. Peut-être pas. Il y a juste... Ah, oh, je savais. Est-ce que c'était des loups? Il y avait des loups. Salut Jean-René, ça va? Tu vas bien? Ça là, c'est la prochaine. La prochaine épave, donc c'est fait. Ah, ici, il me reste un truc. Ah, je l'ai déjà fait, ben elle est grisée. Ici on a Folpertuis. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à explorer? Une clairière de bombe de Romain. Ouais, pourquoi pas. Ah, je peux pas tanker des ennemis. Ah bon. De le toucher. Il est trop loin. Putain, j'ai tué les loups. Il m'empêche de me téléporter. Pas possible. Un peu loin. Ma balette. L'arc est plus précis. C'est quoi ce temple? Je l'ai pas découvert celui-là. Ça sent l'exploration. Ça sent le prêtre dragon, ça. Oui. Oui. Oh putain, il y a une tête. Ouf, oui. J'espère que t'es prête, Brigitte. Hein. Oui. Ouais. Oui.
Ouais, ici, il va y avoir du people. Marqué maintenant. Eh oui. Monde qui parle. C'est pour ça qu'ils sont tous oxy. Ah, il y a du monde. C'est quoi ça? Ah non, il m'attaque pas. Un coup de main. Je vais la tuer. J'ai enfin réussi à localiser la crypte de Vokun. Le parchemin que je convoite devrait s'y trouver. Vous pourriez peut-être m'aider à le trouver. Je sais juste qu'il se trouve ici. C'est un vieux prêtre, enterré ici il y a longtemps. Je l'avais dit que... Il cherche sa tombe depuis des années. Je l'avais dit que c'était un prêtre dragon. Aussi puissant que je le crois, j'aurais bien besoin d'un peu d'aide pour traiter avec lui. Vous pourrez tout garder, sauf le parchemin. C'est un prêtre dragon. Content de dire que ça va piquer les fesses. Parfait. À nous deux, ça devrait être facile. C'est pas sûr, hein. Ah oui, là, un prêtre dragon. Tant te dire que... Généralement, ça picote sévère. J'ai quelques souvenirs. Est-ce que la quête a été mise? C'est mieux. Une petite sauvegarde aussi. Je peux l'abri d'un fail. Putain. Ça naît, ça? Mort lui. Putain, ça court. Vérification, il est mort. Il y a un archer là-bas. Putain. Qui c'est qui me suit là alors? Ouais, Brigitte et puis Anska. Bonjour madame. Une thune. Oups. J'ai pas content, lui. On va essayer de shooter. Oh putain, il y en a deux. Ah, mais s'il bouge, c'est chaud. Hein. Infernal. Ça, c'est fait. Alors, il y a une urne. Il y a un gros coffre. Ouais. Et bien, monte. C'est 100% girl power là. Qu'est-ce qu'on a ici? Squelette. Avec un bouquin. Il vaut cher ce genre. On sait jamais. On ramasse. Il faut voir que je suis 30 kilos, ça va vite. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une gemme magistrale. Oui, la prends. Je sais pas s'il y a une âme dedans. C'est amusant.
améthyste, mango, livre de soins, je l'ai déjà pris. Ok. Ils ont des loot un peu plus. En fait, je leur dis que on tape pas très fort. Et je repasse sur l'arc aussi. Attends, on va pas faire des carreaux, je vais le faire de suite. Alors, quel est mon arc le plus. Voilà. L'arc, qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre. On a des sous, on va pouvoir aller décorer la maison de Vendôme. J'ai pas de flèche. Détecté par quoi, je sais pas. Ici. Ne vous approchez pas de moi. Pourquoi ? Oui. À la prochaine. Des potes, non ? Allez, go, pas la madame. Peigne épée de Wemmer. Oui. Potion. Ok. Non. Parfois, je les regarde brûler. Ça me fascine. Alors, qu'est-ce qu'on a en position de ce nichier ? On en a vraiment besoin. Je peux vous aider ? Un peu bipolaire, là, madame. La piège. Mmh, un truc là. Oh oui, oh putain. Je suis impressionné. À ce moment, ça pète. Il y a un levier en bas. C'est une espèce de. Ils sont méga là. Et nous, un touloupe là. On dirait un casse-tête. Nous devons déterminer l'ordre correct pour les retourner. Oh purée. Ouais, il y a un truc. Ah ben l'ordre il est là. Il y en a partout. Bon, on a fait le tour. Alors attends, c'est quoi l'histoire hein? D'abord c'est l'aigle.
Ensuite, la baleine. Le loup et le serpent. Le loup. Et le serpent. Des coffres sur l'escalier, mais là c'était pas le cas. Hein. Poussons de soin. Ouais. S'il y a quelque chose, squelette. Ouais. Leur ordre a peut-être quelque chose à voir avec ces symboles là-haut. Les catacombes. Cette gemme, elle me paraît suspecte. Gemme, hein. Doucement là. Ouais. Bien là. Attention. Oh, le cheval merde, c'est un merde. Putain, on descend encore. Hein. Oh vache. Si tu me bloques, je peux pas avancer, madame. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a ici. Je sais pas s'il est mort ou pas. Non, attends. Il n'est pas mort. Il y en a deux. Il sort d'où lui? Bouclier de fer cabossé. Première fois que je vois ça. Il est mort lui? Il est mort. Même pas quoi. Flash Farmer, je m'en débarrasse. Pas assez puissant. Ouais, les loups, tu sens que t'es sur des mobs un peu plus costauds. Je sais pas si tu veux s'habiller. Oh, en tout cas, lui. Putain, qu'est-ce qui a marché sur le truc? Gite. Ça fait beaucoup d'excès de santé là. On se rapproche. Oh, un coffre avec un piège. Oh, j'adore. Fail. Y'a rien. Une porte.
Ça, c'est une saloperie. Ça attaque direct. C'est amusant. Hé, hey, faites attention. Putain, en direct. Hein? Putain, on a pris cher. Tu peux avoir un angle de tir, s'il vous plaît. Ok, ok, vas-y. Ça non plus. Coffre caché. Ouais. Ouais, parce que le problème c'est que c'est très par rapport au level des bestioles, j'en ai une armure d'acier. Et une petite urne. J'ai pas trop abusé au niveau du poids. Des popos. L'invocateur. Récupération. Attention au piège. Ces gravures sont très anciennes. Nous approchons. Attention au piège. 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 Bonne clope, Tito. Ça grouille là. Je sais pas où, mais ça grouille. Ah oui, ça va tourner le truc. Hein, ok. Ah, d'accord. Ah, il va arriver. Ouais, il est là. Donc j'actionne celui-là. Ça va vers quoi? L'autre côté, il va y en avoir un autre. Voilà. Putain, c'est un tyran. Des bonites peut-être pour elle. Hein. Elle est où? Hop. Je suis toujours là. De quoi avez-vous besoin? Je trouve un outil aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Moi j'ai santé. Force. Casse qualifique. Est-ce qu'on a du casse qualifique? Pas dit. J'ai de fer. Casse qualifique. Allons-y. De quoi avez-vous besoin? Alors.
est le bouclier? Où est le bouclier de fer? Voilà, ça va mieux pour toi. J'ai pas de chance. Du feu. Oh putain, tout ce que j'aime. Elle avance pas, l'autre. Ça, je prends 50 points, c'est beaucoup. Et le symbole là. Il y a un cri. Mais... Et en plus un cri, ça c'est cool hein. Tourmente. Vraiment une image qui révèle la force de la foudre. Oh. Sortie. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça mène où ça?
ça revient au début. D'accord. Ok. Donc elle est où peut-être aller repartir la voir. Ouais. Oh, il y a un raccourci. Il y a un raccourci. Par ici, de toute façon. J'ai envie de le prendre, ça me ferait gagner du temps. Elle est où? Elle est là. Je peux vous aider? Je ne sais comment vous remercier. Et voilà un petit quelque chose pour m'avoir aidé. Conjuration de... Famille de feu. Oups, ça. Il faut traverser ici et se retrouver pour aller plus vite. Ici. Je me craigne, pourquoi? Redido. C'est quoi le pouvoir là? Attends, parce que là, dans... Les sortes d'illusions. Au poison, 100% maladie, 50. Alors à la glace, je suis à 100% de la glace. Par contre, ouais, donc j'ai le masque pour le feu parce que là, là je suis passé, dis donc, même pas dit encore puissant de signe vampire. Et je pense que je vais avoir de plus en plus de mal à... Elle me parle encore. Je suis toujours là. J'ai peur que... On va sauvegarder. Parce que là... Ils vont finir par plus pouvoir me parler. On va aller poser tout cet attirail à Blanche Rive. Blanche Rive. Oui. Et on va aller décorer la maison de Vendôme.
Les gens ont peur de moi. Tu es là ! Eh, j'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. Merci. Mais j'ai peur que les gens aient peur. Je suis arrivé à un point. Alors... Ouais, mais on va faire un cadeau. Ouais. Brett est trop méchante. Elle n'a... Ça aura pris le temps. Papa. Alors, qu'est-ce qu'on peut virer ? Ça ne me sert plus à rien puisqu'elle est morte. Santé, ça, ça, l'améthyste, ouais. Ouais. Les bâtons, le bâton boule de feu. Il y a 5 points de dégâts. Les clés, ça pèse rien. J'ai un sac à trousseau. Pire que le passe-partout, écoutez, c'est un amateur. Hein. Flèches, j'ai du stock, ouais, j'ai ça aussi si je suis à l'arc. Ah, par contre c'est intéressant, je vais l'équiper peut-être, 20% de quoi, ouais, je vais l'équiper. Contient sublime armor, il y en a 4, hein. Ok. Ça, je peux pas le virer. Hein. Ok. 4 kilos. Ouais, je peux pas faire de magie ce soir, donc on pense ça. Ouais, on va faire un peu d'amido. Ouais. Ça va être vite fait parce qu'en fait, tu achètes et tu. Et tu constates, en fait, c'est quasi instantané. Bon, la recette ça pèse rien. Ruby. Dilution. Il n'est pas super pour un casque de prêtre dragon, franchement. On est prêt. J'ai peur que je doive me nourrir. J'ai peur de devoir me nourrir. Parce que j'ai eu un message pas très sympa, disant que... Palais des Rois... Ouais, on va Palais des Rois. On va être fixé de ça. Rien. Peut-être pas les. Attendez, je vous connais. Oh, il est où, Chambellan, à quelle heure, hein? Allez, tu m'étonnes, 2h du matin. Attends un peu. Et le Jarl, ah bah c'est le fric. Putain, regarde, il rentre. C'est la relève. Où est-ce qu'il est, son chambellan? Oui, faites vite, je suis un homme pressé. J'aimerais vous offrir une place de tonne dans ma cour.
C'est un titre principalement honorifique, mais qui présente quelques avantages. Selon la loi et la tradition, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé à Estomarch et possédant une propriété à Vendôme. Rendez service à mes citoyens. Adressez-vous à mon chambellan pour acheter une demeure, et je vous nommerai Tan. Tout l'honneur sera pour moi. Ah ben voilà, j'ai tout fait. Alors, en mon droit de Jarl, je vous nomme Tan Vesterich. Félicitations. Je vous offre un Huskarl pour veiller sur votre demeure. Ainsi que cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. De véritables fils et filles de bord de ciel règnent sur toutes les villes, et nous avons paralysé la Légion impériale en tuant le général Tullius en personne. Que pourrais-je vous demander de plus ? Non, vous êtes libre de flâner. Je pense que les dieux ont besoin de vous ailleurs. Cela étant dit, certains des hommes les plus loyaux de la Légion se sont organisés et opèrent à partir de camps militaires cachés dans la nature. J'espère que vous saurez quoi faire si vous croisez les impériaux au cours de vos voyages. Faites attention à vous. J'ai un compagnon que je peux choisir. Jorlef, envoyez un messager à nos camps de l'Ouest. Et le message, monsieur ? Je vais détourner les hommes. Attends, qu'est-ce qu'il m'a donné ? Une hache. Ouf. Ah oui, quand même. Garde Adring pour le rejoindre. Est-ce bien sage, monsieur ? Cela fonctionnera si nous parvenons à chasser du sud les hommes de Han, et si nous avons un peu de chance. Bien sûr, nous semblons en manquer ces temps-ci. Je ne vous demande pas conseil, mon ami. Envoyez ce message. Les sombrages sont victorieux partout dans le pays. Je me ferai un plaisir de vous y aider. Il existe mille manières d'embellir une maison, à condition d'y mettre le prix. Et surtout, n'oubliez pas de consulter le guide du bel intérieur. Il décrit les décorations disponibles. Alors, qu'aimeriez-vous acheter ? Moi, c'est une cuisine. Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose ? Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose ? Alors, un salon. Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose ? Une chambre d'enfant. Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose ? Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose ? Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose ? Entendu. N'hésitez pas à revenir me voir si vous souhaitez acheter quelques décorations. Le Jarl offre une prime à qui tuera le dragon qui terrorise la région. Jetez un œil à ce décret pour de plus amples précisions. Voyagez prudent. Une quête là. Ok. Les routes sont dangereuses. Alors attends, parce qu'il m'a signé un gars là. Il est où mon garde du corps attitré là ? C'est lui ? L'empereur aimerait faire. Que deviendrait bord de ciel si ses enfants étaient esclaves d'un tyran ? Attendez, je vous connais. Faites attention à vous. Mais je sais pas, mec attitré là.
bizarre ça. On va attendre un peu plus qu'ils se mettent à table peut-être. Hein. C'est bizarre ça. J'ai pas de... Enfin, dès que j'en trouve un, de toute façon, je vire celle-là parce que... Alors, on va aller voir la maison. Je prends cher au soleil, ouais. Si je pouvais avoir l'anneau qui sonne dans Vampire Diaries, ça m'aiderait. Alors, la maison, elle est où? Elle est par là, je crois. C'est pas celle-là. Oui. Alors, la fois qu'on y était, elle était vide. À se décorer. Ah, il est pas fait. Putain, c'est bien, hein. Mais c'est mon Huskar là. Normalement, il y a. Ah, c'est la plus grande du jeu. Putain, il m'a fait un... Ah, il s'aime pas les gemmes et tout. Oh, il y a tout. Il y a tout. Ou enchanté. Ouais, celle-là, elle est immense. Il va falloir qu'on se marie au bout d'un moment aussi. Ah, il y a les vitrines, les mannequins. Ça, dans mes souvenirs, c'était la chambre d'enfant. Et la mienne, elle est là. C'est immense. Wesh. Super grande. Alors. Je vais le récupérer à lui. Votre épée et votre bouclier. On dirait que vous avez déjà quelqu'un. Je suis toujours là. Je vais rentrer. Vous savez où me trouver en cas de besoin. On va tester lui. Alors c'est quoi? Déjà c'est... Il va tanker un peu plus. Parce que je l'ai un peu plus équipé, mais... Longue vie à vous, Tan. Ne perdons pas de temps. Allez, Calder. On a un dragon. On a un dragon à tuer. Il est où le dragon? Il est ici. On y va direct. Oui. On va sentiment que des ennuis nous attendent. Ouais, non, mais il est là. Dragon ancestral, rien que ça. Je crains pas la glace. Déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il s'est transformé en dragon squelette. Et du coup, j'ai pris son âme. J'ai pris son âme et en fait, il est un squelette.
balèze par contre. Hein. Tu mets la flèche. Hein. Oui. Je suis mis contre la glace. Squelette. Oh, une arme de fer, mec, pour toi. Ça te dit? Il est où? Qu'est-ce que t'as sur toi? Allons-y. Que puis-je faire pour vous, Tan? Rien sur lui. Écoute, je te file une armure de verre. Hein. Je suis généreux. C'est toujours mieux. Il la prend pas. Il la porte pas, cet abruti. Oh putain. Que puis-je faire pour vous, Tan? Quel pire. Il veut que du lourd. Il veut que tu joues, bah écoute, je récupère mon truc. Hein. Je suis à votre service. Ok. On peut les valider. Alors quand même là, de récupérer l'arme aussi vite qu'il soit en squelette. Hein. Alors, est-ce que je peux valider? Certainement ici. Il est en contrebas. Et il dort. Pff, on passe se nourrir. Hein. Les sombrages sont victorieux partout dans le pays. Excellent. Vous nous avez rendu un fier service. Voilà votre récompense. Voyagez prudemment. Les routes sont dangereuses. Je suis chargé de la cuisine et du ménage au sein du palais. D'accord. C'est bon. Je vais poser cette armure de verre là. Et puis après on va voir ce qu'on peut explorer. Hein. Essayer de trouver un autre donjon. Pour la dernière heure du stream, hein. Essayer de trouver ça. Fasse la quête du mariage aussi. Un état vampire, c'est pas dit que. Au moins, ce qui est bien, c'est que je pourrais me nourrir quand j'en ai besoin. Allez, on va poser ça. Alors, des coffres, j'ai en barre du choix, je crois. Quoique, non. Putain, il me semble mieux. Allez, monter. Ok. Je vais monter dans ma chambre. Ah, puis j'ai la grosse. Putain, mais il y a des trucs déjà dedans. Oh la vache, j'ai mis des trucs. C'était moi qui avais peut-être posé. En tout cas, l'âge qu'il m'a donné. La claque, hein.
tenue. Armure. Vert. C'est bizarre ça, j'ai des trucs que je suis à lourd encore. Hop. Ah ouais, un beau truc, ouais. Ce qui est bien après, c'est que pendant qu'on explore tout ça, on peut ramasser des objets pour les placer. C'est tout à fait faisable. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on aurait pas fait? Ici, il reste peut-être des trucs ici. Hein. Je vais aller voir ce truc, la clairière de Vendôme. Vendôme. On va voir ça. Regarde de l'aube. Les araignées et tout. Hein. Est-ce que le vampirique qui m'attaque hein? Il est craqué lui ou quoi? C'est l'araignée qui m'attaque là. Je suis immunisé au venin. Mais c'est pas le truc que j'avais fait. L'espèce de bar à... Je veux dire à sushi. Putain. Ah. L'espèce de truc où il se droguait là. Si c'est ça. J'avais massacré tout le monde. C'est pour ça qu'elle m'attaque. C'est dans l'autre sens. Il y a un donjon là. Je viens regarder la map. Oh putain oui. Il y a un truc ouais. Il y a un donjon et un moulin. Oh. Putain. Il arrive. Il se défend mieux lui, il tank un peu mieux. C'est ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, il y a un truc quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain. Ça sent plus ça. Putain, c'est un meurtre Sprigan. Oh. Là, ça pique. Hein. Oh, c'est un gros boss, ça. Oh, c'est un gros boss. Putain, c'est quoi, ça? Les zombies. Putain. Là, je suis tombé dans un... Thank you.
balaza. Huile. Putain, c'est une déesse mère. Wow, wow, wow. Ah, c'est des ostrogonites. Putain. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Aïe. Je me suis fait mal sur quoi là hein? Il est mon pote. Il est mort ou quoi? Non. Il est là. Putain, c'est la première fois que j'en croisais de ça. Ça pique, hein. Mmh. Une déesse mère, hein. Il y a toujours des trucs dans ce jeu, c'est incroyable. Même quand t'as fait les quêtes principales, les quêtes secondaires. T'as toujours des lieux. Toujours, toujours. Lapin. C'est un truc de dingue. Putain, là, il y a du monde. Ouh, il y a du people là. Il y a du people là. Ah, oh, il y a carrément un village là. Il a pas peur lui, et il tanque déjà mieux que l'autre. Il est où? Dans le Faldar. Il y aura encore un moulin là-bas à voir. Hop là. C'est barré lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me shoot. Malandrin. C'est lui qui me shoot là, il y en a une. Attends, je vais te niquer. C'est fait. Loupé. Putain, il y en a encore un derrière. Yes. Yes. Voilà, ils vont dégringoler. Mon loot. Ciao, ciao. Ils vont tous se glisser là. Ouais. Il y en a un qui monte. Je l'ai vu. Ah, c'est pas... Ah oui, les flèches sont meilleures, tu m'étonnes. Il y avait des sous, lui. Mal équipés, hein. Ils sont pas trop mal équipés. Hein. C'est mort ça. J'ai l'impression qu'il s'était fait attaquer par les araignées. Ouais. La porte, pour ouvrir la grille, ça va être compliqué. Ça va encore. Est-ce que... Arrière.
ouvrier dans Defaldar. Bon, l'extérieur, je pense que j'ai nettoyé. Par contre, là, ici. Il y en aura dans la cour. Putain, des loups. Faire le tour là. Je suis passé par en bas carrément. Putain, je me suis pas loupé là, j'ai dans la tête. Il a tout défoncé. Parti par là. Il y a tellement d'entrées. Tellement de trucs dans ce jeu, c'est un truc de malade. Je viens d'où moi, je sais plus. Ils ont essayé de passer là. C'est le maître, ça pue. Oh. C'est pire celle-là. Ouf. Vache. C'est plus sur la gauche. Un peu plus. Oh putain. C'est juste un... Ouais. J'en pète là, je pense. Ouais, malheureusement. Non, je suis trop là. Tout ça pour. Ah, je vais recharger mon arme aussi. Ah, oui, celle-là était bien aussi à balancer des. 30 points de dégâts. On va recharger. J'aurais payé ma rançon cette fois. Arpenter la ville en homme libre. Il y a un loup, il y a des chiens, des loups avec eux. Cette petite menteuse, ce mioche n'est pas toi. Arrête de n'importe qui, il ne soutirera pas un septime. Empoisonne son repas et va donc s'il aime ça. D'un coup. Ah, c'est la réserve des loups. Alors on remonte.
dommage. Un peu. Le loup va nous attaquer. Je nous attaque le loup ou pas? Non. Oui, il m'attaque pas. Du loup. C'est dédicace pour Brigitte. Bardo ce coup-ci. Oh mais non. Ici. Ouais, j'ai ma... T'es ma avancé. Qu'est-ce qu'ils font hein? Ils font des combats de... Oh putain, ils font des combats de loups. Il y a du fric. Hein. C'est le dossier pique. C'est très 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 fin là. Chaud ça. Il y a de l'argent mais possible ça. Les paris qui sont faits.
cartes surtout. Ok, là, il y en a une pièce là. Flèche de fer. Ok. Le coffre, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah, encore des sous. Des bonites. Je prends. Je prends. L'arc des bonites, je vais lui filer à Gilbert. Nous sommes arrêtés. J'ai juré de porter vos fardeaux. C'est mieux pour toi. Mais non, putain. Laisse passer s'il te plaît, merci. Putain, c'est vaste. C'est super vaste. Pascal. Je sais pas si je libère parce qu'ils vont m'attaquer, je pense. Vous avez fini? Attaque ou pas? Oh putain, c'est dommage. C'est mieux ça que de... se battre indéfiniment. Il y a du sang partout quoi, c'est vraiment dégueulasse ici. Ah ça, le sang par ici. Putain, il jette les cadavres ici. C'est immonde. Je me disais qu'il y avait un coffre caché. Hop là. Ok, on va continuer. Super. Mastassi béni. 160 prix. On n'a pas trouvé le chef. Hein. On n'a pas trouvé le chef. Ah, ben c'est fermé. Ok. Je crois qu'il n'y a pas plus. Ici, on a tout vu. La puerta, por favor. C'est notre ici. Si on est passé, oui. Est-ce qu'on peut remonter? Ouais, il me semblait. Je suis pas la marche, c'est un petit.
quand on sort là en fait. On va essayer de choper le tour. Je connais ce village. Oui, Domaine Midor. Si je vous dis quelque chose, on va aller voir ça. En regardant les tours, je crois que j'avais une entrée de. Ouais, ici. Il manque encore, je pense. Il tombe là. Ça me montre où? Je vais en monter. Ok. Lourd chef. Ok. Ouais, pourquoi j'entends du monde, mais je vois personne. Peut-être en haut, mais il y a pour y aller là. Je vois pas de porte. Qu'est-ce qu'il croyait? Pauvre fou, il ne m'a jamais vu sortir cette tasse de babotte. Je l'entends parler un là. J'ai perdu mon pote. J'ai pas où il est. J'ai pas oublié le petit père. Ah, il est là. Ah, c'est mon pote. Il sait pas comment me rejoindre. Ah, c'est bon, t'inquiète pas. On sort de là. Je vais aller me débloquer ça là. Ça m'intrigue ce truc. Un tombeau ou un truc comme ça. Ouf, déjà il y a une tour. Tu m'attaques toujours de. Putain, il y en a qui me chlasse hein. Yeah.
mais elle est pas mal leur arme lourde. Hein. Espèce de tombeau là, j'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Oh putain. Ils sont attaqués par un géant. Une armure de humeur pour mon pote. Allons-y. Que puis-je faire pour vous, Tan? Je te donne une tenue. Celle-là, il va la prendre quand même. Voilà. C'est mieux. Passez devant. C'est quoi, 5 ans? Pardonnez Ugor pour ses mots crus. Elle ne fait qu'obéir aux ordres. Ma tribu souffre et a besoin de votre aide. Yamars, notre chef, est un guerrier puissant et fier. Il n'est plus aujourd'hui qu'un pauvre être maudit. Sa faiblesse affaiblit notre tribu. Les géants le sentent et s'introduisent dans notre territoire. Maintenant, ils attaquent même nos maisons. Yamars refuse toute aide, mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir besoin de vous. Yamars nous a ordonné de rester à l'intérieur de l'enceinte. Ça, c'est une quête des dieux d'Aedra. Cette malédiction. Mais je ne peux pas atteindre l'hôtel de Malakath. Voilà. Le rituel doit être effectué ici et je ne dispose pas des éléments nécessaires. Je vous en prie, pourriez-vous me rapporter de la graisse de troll et un cœur de Daedra? Dépendre des étrangers m'est inconfortable, mais je n'ai pas le choix. Dans un des draps, pardi. Vous ignorez qui est Malakath? Ok. Il est le gardien des serments, le maître des malédictions. Dépêchez-vous, nous comptons sur vous. Ah, c'est un mutage orc. De la graisse de troll, je devrais trouver ça. J'attendrai ici même que vous me rapportiez ces éléments. Dépêchez-vous, nous comptons sur vous. C'est un village orc. Jusqu'à présent, notre tribu a survécu sans votre ingérence. Ça ira. Oh, il y a toute une armure orc là, mec. Hein. Ouais. Ouais. La complète. Hein. Il y a un truc qui nous menace là, je sais pas ce que c'est. C'est pas la chèvre. Hein. Il est où? J'ai un ennemi ici. C'est la chèvre hein. Sérieux? D'accord. Bon, ça me fait une quête de plus, hein. C'est pas négligeable. Hein. Graisse de troll et cœur de Daedra, j'ai. Graisse de troll.
C'est ici, ouais. Et un fort. Alors, j'y monte comment, moi ? Je veux dire. Au moins que je me rapproche, que j'ai un TP. Ça passe. Il y a un ours en bas. C'est bizarre, ça, y a pas personne là. Tête de bouc partout. Ça devient un gros ancien, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh putain, il est passé de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, j'étais pas trop rendu compte. Hein. Lia? Ah, peut-être que je peux lui parler. Par les dieux. Ah. Ce n'est pas aussi grave que vous croyez. Laissez-moi vous expliquer. Oh. Je ne voulais pas, mais elle m'a attaqué pour m'empêcher de partir. Je ne peux plus rester ici. Qu'est-ce que c'est? Les choses que nous faisons, c'est mal, très mal. Je n'en peux plus. Je m'y sentais chez moi, mais je sais maintenant que c'était une... Je fais, ou plutôt je faisais partie d'une congrégation au service des Harfreuses qui vivent ici. Elle aussi en fait partie. À la prochaine fois. Et on par les dieux, ce n'est pas aussi grave que vous croyez. Laissez-moi vous expliquer. Je ne voulais pas, mais elle m'a attaqué pour m'empêcher de partir. Je ne peux plus rester ici. Les choses que nous faisons, c'est mal, très mal. Je n'en peux plus. Nous devions trouver quelqu'un à sacrifier, un humain. Je lui ai dit que je ne pouvais pas m'y résoudre et elle s'en est prise à moi. J'ai fait de terribles choses en vivant ici, mais je n'ai jamais pris la vie d'un innocent. Je ne pouvais pas me résoudre à trouver quelqu'un pour le sacrifier. Pour l'initiation. Mère va devenir l'une de ces créatures et je ne veux pas être mêlée à ça. Dieu, je ne peux pas me contenter de m'enfuir. Je dois l'arrêter. Je me rends là-bas pour l'arrêter. Ce cycle doit cesser. J'ignore ce qui vous amène ici, mais j'aurai besoin de votre aide, si vous êtes d'accord. Bien, suivez-moi. Nous allons devoir combattre pour aller là-haut. Ça m'étonnerait que d'autres aient eux aussi un cas de conscience. Faut pas me tirer. Il y a toujours plus de quêtes, toujours plus de trucs, c'est infini jamais. Allez, je te suis. Moi, je suis là. Alors. Je suis désolé pour la flèche entre les deux omoplates, hein. Je pensais que c'était un... Je vous tiens. Oh, il a dû s'enfuir. Il est là. Oh, il a dû s'enfuir. C'est une frottin encore ça. Sorcière carrément. C'est le genre de ces trucs, hein. Là, je te suis.
Faire le loot, hein. C'est un dessus. Ouais, ça m'intéresse. Putain, légende, ça va. T'es costaud la nuit là. Et là, il y a plein de trucs là, en trace. Hein. Allez, go. Il y a une harfeuse devant nous. Préparez-vous, puis tirez le levier, on attaquera ensuite. Il y a une harfeuse devant nous. D'accord. Préparez-vous, puis tirez le levier, on attaquera ensuite. Il y a une harfeuse devant nous. D'accord. Préparez-vous, puis tirez le levier, on attaquera ensuite. Qu'est-ce que c'est ça? Des gants. Oh. Vas-y. Une affreuse, c'est. Je suis tombé dans un repère de sorcières. C'est la première fois que je tombe dans du cadavre. Oh putain, oui. Oh putain, oui. Putain. Une coffre à la phrase. Oh, c'est des grosses sorcières quoi. On va continuer ou pas? On est là. Sur eux. Il y a un pot de lait. Eh ben dis donc, ça me passe encore. C'est le mettre à chaque fois. Plus. Ouf, direct. Presque. Ah punaise, je suis pas loin, non? Yes. On qui doit avoir la clé. Vous allez devoir aller la récupérer. C'est bon. Sauf si vous parvenez à crocheter cette serrure. C'est fait. Balance quand même parce qu'elle déboîte vite hein. C'est quoi hein? C'est pas ce que c'est. Tête de bouc. Thank you.
Strix, ça s'appelait. Je vois tes composants si je trouve de la glace de trop, on sait jamais. Mystère de talent. Bon, je prends, on sait jamais pour la collection de graisse de troll. Ok. Ben, c'est pas grave la tour là. Très bien. Mère se trouve de l'autre côté de cette porte. J'ai un plan. Je vais prétendre que vous êtes la victime à sacrifier. Pendant que Mère procédera au rituel, je frapperai. Puis ensemble, nous pourrons la tuer. J'y ai longuement réfléchi et c'est la seule manière. Elle est allée trop loin. Les Harfreuses l'ont trop corrompue. Au moins la mort la délivrera-t-elle. Assez. Allons-y. Il s'endort, Gilbert. Je vous ai trouvé quelqu'un de volontaire. Nous avons déjà discuté du paiement, bien sûr. Splendide. Asseyez-vous donc sur la chaise qui est derrière moi. Attends, je vais voir ce qu'il y a sur la case de troll. Il prend ça aussi, ce collector. Hein. Quoi ça? Il y a un petit rat. Il y a un sacré coffre là. Alors on va s'asseoir. Je vais se regarder d'abord parce que je le sens moyen l'histoire là. T'inquiète. Bien, je vais préparer le sujet. Je ne peux pas vous laisser faire ça, mère. Vous devez mourir. Je peux vous aider. De beauté. Ne le soyez pas. Si j'avais su qu'on en arriverait là. Oh, mère. Gardez le bâton de mère. Considérez-le comme une récompense pour votre aide. Je veux tout laisser de cet endroit maudit derrière moi désormais. Au revoir. Et encore merci. Où ça serait là? Je peux vous aider? C'est sans doute mieux que de rester ici à réfléchir. Je pourrais faire le bien pour une fois. C'est entendu. Je viens avec vous. Ah, on change de compagnon. On dirait que quelqu'un vous accompagne déjà. Ah, pour changer. Tu vas repartir à Vendôme. Je suis toujours là. Je serai dans votre demeure si vous avez besoin de moi. Que... Oui ? Voilà. Je vous suis. Je suis une sorcière à la place. Putain. Putain le bâton. Oh putain le bâton. Dans de feu. Le bâton. Il doit piquer celui-là. On va voir. C'est un bâton de la mégère courcée. C'est 50 points de dégâts de feu, ça pique. Hein. Je suis pas
Très content de mon petit séjour hein. Elle a une dague, mais la magie elle dépote quand même. Et tout ça, il faut que je ramène mes... Ouais, donc ça, c'est ici, c'est fait. Ouais, c'est vrai, j'amène de la caisse de troll. Et un cas d'Aedra, heureusement, j'en ai gardé. On va repartir à... Non, je suis vivant. Attendez, je vous connais. Je crois non. Une sorcière et un vampire. C'est pire que Buffy. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blanche Rive. Cet honneur revient à Eorlund Gristoison. Ses armes sont légendaires. Avez-vous rencontré mon père ? Papa, il travaillait tu comme es de retour. À Dragon, quand pourrais-je avoir quelques pièces, s'il te plaît ? Merci. La plupart des gens l'ignorent, mais j'aide mon père de nombreuses manières. Comment rentrer chez moi, hein ? Brett est trop méchante. Elle n'arrête pas de nous commander, Lars et moi. Je veux plus jouer avec elle. Elle est où, hein ? On va poser certains trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser ? Destruction majeure. Non plus. Antidote du coup. Ouais. Du coup, c'est au niveau de ça que. Oui. Il faut que je pose un truc là, un bâton de tombe. Je peux le faire avec le côté vampire. Je raquette, ouais. ...15% de plus avec l'arc. Et je perds mon casque à... On va mettre le côté. Faut que je pose des trucs, hein. Ça va rien. Ouais, là, il faut que je change. J'ai le bâton, mais qu'on testera. Ouais, c'est pas ça. Du coup, quand je sors, je... Bah ouais, t'es quatre magiques, hein. Masse de Molagbar, qui est pas mal. Potion. Ça, je le fais avant de... Ah, celle-là est jolie. 3700. Ouais. Donc, dans les armes, il va falloir que je balance quelque chose. Ça, c'est sûr. Et oui... choix.
31. Je vais poser 8 rad. Parce que j'ai celle-là qui tape fort. Avec 30 points de dégâts en plus. Ça, c'est pour invoquer. Invoquer, j'en ai besoin, on sait jamais. Ça fait de la place. C'est lui dire, ça va. Il faut que tu reprennes le service. Hein. Bon, enquête. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, ça, je vais essayer de trouver ça. Dimanche prochain. Non, non, Lydia. Il y a beaucoup d'endroits qu'on n'a pas fait encore. Tout ça c'est vide. Il doit y avoir des trucs ici. Il y a un gavé de trucs. C'est obligé. Puis la guide des voleurs a remonté aussi. Il faut que je fasse des larcins. Pour pouvoir enflouer les caisses. Il y a plein de trucs à faire. Hein. Et cette zone là. Ne me demandez pas qu'il y ait des trucs cachés là. Bon, en haut c'est un peu plus fourni, on est d'accord. Pas trop c'est qu'il pourrait y avoir. Parce qu'ici j'ai trouvé deux trucs, ouais, il y a plein d'endroits qu'on n'a pas fait encore. On va continuer à fouiller, à se promener. C'est clair que la première fois je l'avais pas fait aussi. J'avais pas pensé autant quoi, j'étais pas arrivé là quoi. Déjà j'avais pas tout fini. 126 heures. Ouais, 126 heures. C'est sauvegardé. On est bon. Ouais, on a trouvé des trucs intéressants. Ouais. C'est vrai que je pensais pas trop autant de choses. Alors du coup cette semaine, on va faire. Demain je continue. Plague Tale. Je sais pas si tu l'avais vu avec la gamine avec son petit frère. Soit on le finit demain, soit on le finira mercredi. Oh, il est somptueux. Tu verras les graphismes et tout. Je l'ai fait lundi dernier, vendredi dernier, je crois. Donc je vais le continuer au chapitre 10. Et on va voir si je peux le finir demain, sinon je le finirai mercredi. Mardi FF, le château. Jeudi, un nouveau jeu d'horreur. Parce qu'on a fini Outlast. On a tout poncé. Donc on va en sortir nouveau. Et vendredi, c'est même des toutailles avec Château, Nubad et Evil. Et puis voilà, samedi, fait dimanche Skyrim. Donc cette semaine, il y aura un jeu, un nouveau jeu. Deux. Et mercredi, du coup, je me garde de la marge si jamais lundi soir, j'arrive pas à finir le jeu de. Ouais, il va me dire, il y a Avatar avec Evil. Mercredi, je me laisse un peu de marge si jamais lundi soir, j'arrive pas à finir le jeu. Voilà, si je le finis lundi soir, demain soir. Mercredi, on pourrait faire des Sims. Mais il me reste 7 chapitres en un stream. Je suis pas sûr, ça dépend de la longueur des chapitres. Je sais pas. C'est très aléatoire. Et puis voilà. Hein. Oui, t'inquiète, on va voir demain déjà si j'arrive à me finir. Bonne nuit, Lido. Bon courage pour demain.
Ah oui. Il y a toujours un sauvegarde, on peut reprendre. Mais ça va porter une cacahuète. Ciao, Dito. À très vite. Bon courage pour demain.